Après sa défaite à Kinshasa face à un Congolais dans le cadre de la conquête de la ceinture WBC, Taylor Mabika, boxeur gabonais, sort finalement de son silence. Il affirme avoir été abandonné par les autorités sportives locales dans la quête de cette distinction. Les moyens dont il disposait ne l'ont pas permis de venir à bout d'un adversaire qui avait les faveurs de pronostic, car évoluant à domicile devant son public. Mieux encore, cette défaite qui vient un tout petit peu ternir sa carrière l'a plutôt permis de mieux apprendre. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend fort. Cette défaite, voilà, ça m'a permis aussi d'apprendre que si toutes les conditions ne sont pas réunies, il vaut mieux ne pas se lancer. Voilà. Et je me suis retrouvé un peu seul à Kinshasa. Pourtant, j'ai tiré sur la sonnette d'alarme maintes fois, mais voilà, ça n'a pas. Je me suis retrouvé un peu tout seul à Kinshasa. Pendant cette expédition intercongolaise, Taylor Mabika n'a bénéficié que du soutien de la Fédération gabonaise de boxe via Alfred Bongo Ndimba. Après cette défaite au Guamer, le boxeur professionnel gabonais s'est dit indigné de la cabale médiatique dont il a fait l'objet. J'ai fait pas mal de séances de kiné, comme vous avez vu sur mon Facebook. Au quatrième round, je me suis fait mal au bras. Et à ma grande surprise, quand j'ai vu les coupures de journaux du Gabon, alors ils ont crié au massacre. Alors je me demande si on a vu le même combat. Je demande. Après, voilà, les détracteurs, ça ne m'inquiète pas. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Et j'ai été fier d'arborer une fois de plus le drapeau du pays à Kinshasa, malgré le résultat. C'est ça qui fait ma fierté, c'est le, tout. Le bras, ça va déjà ? Le bras, ça va, j'ai fait pas mal de kiné. Et voilà, j'ai ma ceinture WBC francophone à défendre d'ici décembre. Et après l'avoir défendue, selon le règlement de la WBC, j'ai le droit de faire une demande de revanche, si possible. Maintenant, voilà, ça demande à être bien entouré. Elle ne peut me retrouver un peu seul dans cette situation-là. Et donc, d'ailleurs même, c'est pour ça que je profite aussi à lancer à tous les Gabonais de continuer à me soutenir comme ils ont toujours eu l'habitude de faire. Et que cette fois-ci, on peut pas avoir fait tout ceci pour ne pas suivre derrière. Ce serait vraiment dommage. Et donc je profite à leur dire, voilà, j'ai besoin d'eux, j'ai besoin d'un coup de pouce, comme à l'habitude. Et voilà. Vous l'aurez bien compris, Taylor Mabika envisage remonter sur les rings d'ici mi-décembre, pourvu qu'il soit cette fois-ci accompagné des autorités sportives locales.